Morgen, alle Yiden, l'étude aujourd'hui le Nishmat Amram, Yona ben Chana, Peggy bat Esther, Nissim bat Aouda, Shishportish, Michel Noikov, Sinur Fatrud, bat Claudine Traina, Simcha bat Masoudi Betor, Shachol Israël. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sechet Edouyot, Perek Alef, Mishnah Yud. Aporet, c'est la Michel Maaser, Sheni, Mirushalayim. Bet Shamay Omrim, Bekola, c'est la Maot. ובית הלל אומרים בשקל כסף ובשקל מעות. הדנים לפני חכמים אומרים בשלושה דינרים כסף ובדינר מעות. רבי עקיבא אומר בשלושה דינרים כסף וברביעית כסף ברביעית מעות. בשלושה דינרים כסף וברביעית כסף ברביעית מעות. רבי טרפון אומר ארבעה אספרי כסף. שמה יאמרם אומר יניחנה בחנות ויוכל כנגדה. Dans la Mishnah précédente, on avait parlé de Aporet Sela Mimaot Maaser Sheni. Maintenant, on va parler de Aporet Sela Shel Maaser Sheni Birushalayim. On va parler d'autre chose en réalité. Dans la Mishnah précédente, on parlait de celui qui était encore dans sa ville, qui voulait prendre toutes ces petites pièces pour les réunir en une grosse pièce pour monter à Yerushalayim. Dans notre Mishnah présent, on va parler de celui qui vient à Yerushalayim avec des pièces. Et on va parler en fait d'un tout autre sujet, ça c'est motivé par d'autres raisons. On parle que maintenant je veux venir à Yerushalayim pour pouvoir aller acheter chez l'épicier. Donc, je vais débarquer maintenant avec mes gros lingots, mes gros billets de 500 euros. Vous comprenez bien que je ne vais pas pouvoir aller acheter chez l'épicier avec un billet aussi gros. Donc il va falloir que j'aille faire de la monnaie pour pouvoir dépenser. Maintenant, bien sûr, lorsqu'on fait de la monnaie, à l'époque, il y avait des changeurs, des bureaux de change, en fait, il y avait des shulchanis, ça s'appelait, et il fallait laisser une petite taxe lorsque l'on changeait. Autre petite introduction aussi, petite donnée à savoir, c'est que les grosses coupures de l'époque, c'était de l'or, c'était plutôt rare de l'utiliser pour faire des commerces, comme ça, pour commercer, mais en tout cas, on utilisait surtout de l'argent, et aussi des pièces de cuivre, de nechoshet. Le problème des pièces de nechoshet est que, à la longue, elles se pourrissent et jusqu'à même en venir à les jeter. D'accord ? On a introduit toutes les données qui vont maintenant nous servir à comprendre la Mishnah. Aporet Sela Shel Maaser Sheni Birushalayim. Celui qui veut faire de la monnaie de un Sela de Maaser Sheni lorsqu'il arrive à Yerushalayim, combien va-t-on lui permettre de faire de monnaie ? Bet Shamay Omrim, Bekol Asela, Marot, Bet Shamay, de nouveau il est là, sans restriction, tu fais ce que tu veux, tu prends ton Sela, si ça t'intéresse de l'exploser en 700 proutot, eh ben t'as le droit de le faire, il n'y a aucun problème. D'accord ? Ça c'est l'avis de Bet Shamay. Bekol Asela, Marot, pour tout le Sela, tu recevras en contrepartie autant de Marot requises, d'accord ? En Echochet. Ensuite, ou Bet Hillel Omrim, non. Il n'est pas d'accord, Bethilel. Bechekel Kesef ou Bechekel Ba'ot. Lorsque tu vas donner un Sela, il a une valeur de 1, de 2 Shkalim, tu recevras en contrepartie la moitié en argent et la moitié en Ma'ot de Nechoshet, en petites pièces de Nechoshet. Quelle est la raison de Bethilel ? La raison de Bethilel, elle est comme ce qu'on a dit tout à l'heure. Regardez, on n'a qu'à le faire dans le Barthénois. Bethilel, le Yachlif et la Chetzian, il ne changera que la moitié. Premièrement, Shema loishhe ba'ir atchiotsiet kulan, tu vas aller faire de la monnaie. Quel est mon souci? Que peut-être que loishhe ba'ir atchiotsiet kulan, tu vas pas rester dans la ville jusqu'à que tu vas réussir à tout dépenser. Ouais, vous imaginez bien, 500 euros pour 3 jours que je vais passer à Yerushalayim, combien je vais pouvoir manger et inviter des gens? Ça va être trop. Ve'yafkidem ba'ir al regalacher. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas les laisser à l'intérieur de la ville, tu vas trouver quelqu'un qui va te les garder, quelqu'un de gentil. Et le problème, il est que ve'aprotot mit apshot. Et les proutotes pourrissent, elles s'oxydent en fait jusqu'au point où après elles ne vont même plus être utilisables. Et donc, tu vas perdre qu'elles vont s'abîmer. Peut-être que tu vas me dire, bah, tu sais quoi, si tu repars et qu'il te reste des proutotes, t'as qu'à repartir les changer chez le changeur, au change. Ouais, d'accord, comment ça s'appelle? Chez le shulchani. Réponse de nouveau, mon problème il est que lorsque chaque fois que tu changes, tu laisses une petite commission. Alors tu ne vas pas faire perdre le maaser deux fois. De ce fait, je te demande que, depuis le début, tu changes la moitié uniquement, l'autre moitié tu la gardes et tu patientes, et si tu as besoin, tu iras rechanger une deuxième fois. Ok ? Nimsa, Shulchanim, on continue la Mishnah. Donc ça, c'était l'avis de Beth Hillel. A
présent, on va découvrir trois avis qui vont nous dire non, ils vont pas être d'accord avec Beth Hillel de faire moitié-moitié, ils vont demander de faire beaucoup moins. Un, il va nous dire de faire un quart, l'autre, il va nous dire de faire un 1/16, et l'autre, il va nous dire de faire un 1/20, et ils vont s'exprimer chacun avec leurs mots. Adanim lifnei chachamim omrim, ceux qui étaient là en train de proposer leurs idées, leurs halachot devant les chachamim, eux pensent, qui sont en réalité, le Barthénois rapporte, il y a Shimon ben Azaï, Shimon ben Zoma, et Hanan Amitsri, et il y en a encore un quatrième qui ne l'a pas compté, qui est Hanania ben Chafinaï, qui est rapporté par le Tifrat Israël, qui pose une question, pourquoi il n'en a pas parlé le Barthénois. En tout cas, tout ça c'est les rabbanim qui étaient d'anim les fnei chachamim, c'est ceux qui étaient devant les chachamim à leur poser des questions et leur répondre, et parler de Belimoud, donc il nous disait « Bishlosha dinarim kesef ou bedinar maot » On avait dit que dans un sela, il y a 4 dinars. Et bien, lorsque tu vas le changer, tu récupères 3 dinarines. Et pour le dernier, le quatrième dinar, alors tu le changeras en maot. Tu le transformeras en petite pièce de cuivre. D'accord ? Mais tu ne changeras pas tout le sela. Donc toi, Beth Shammai, t'as permis de tout changer. Beth Hillel, tu m'as dit tu fais moitié-moitié. Moi, je te dis tu fais un quart. Rabbi Akiva Omer, non. Bishlosha dinarim kesef. Comme ce que vous avez dit, tu récupères 3 dinarim de kesef. Mais sur le dernier dinar, le quatrième dinar, tu ne vas pas le prendre entièrement. Lui, tu vas de nouveau le séparer en 4. Ou barévit kesef, birvit maot. Avec le quart du dernier dinar d'argent, tu vas utiliser pour obtenir la valeur de ce quart de dinar en obtenir de l'argent. Donc tu avais un sela, tu l'as transformé d'abord 3, on ne discute pas, tu les laisses sous forme d'argent. Le dernier, tu le coupes en 4, et pour 3, tu reçois de nouveau une pièce d'argent, et pour le dernier restant, là, tu auras le droit de recevoir de la petite coupure en cuivre. Donc, ça fait l'équivalent d'un 16e, puisque ça fait un quart d'un quart, d'accord ? Rabbi Tarfon Omer, Arba, Aspere Kesef. Alors, Rabbi Tarfon, lui, nous dit non, il a une autre mesure. Aspere, c'était une pièce. Le Barthé nous rapporte que au Matbea, ou Beres Yavan Shadayom Korinlo Aspro. Faites une recherche Wikipédia peut-être, je n'ai pas cherché, que le Aspro apparemment c'était une pièce de Grèce. Et donc le Rabbi Tarfon nous dit non, dans un Sela il y a 5 pièces de Aspro, et bien tu en laisses 4, tu les laisses sous forme d'argent, et le 5e tu auras le droit d'en faire de la petite coupure, obtenir des pièces de Nechoshet. Tout va très bien. Baruch Hashem. On découvre maintenant le dernier avis de la Mishnah. Shammai Omer, Yanichena Bachanut Veyochal Kenegda. Lui, Shammai, alors lui, tu amènes une grosse pièce à Yerushalayim, certes, mais tu vas pas commencer à faire du commerce avec cette pièce. Tu vas aller voir un épicier, tu la laisses chez lui, tu lui dis vas-y, maintenant tu vas me devoir l'équivalent de un séla d'argent. Tu lui laisses le billet de 500 euros, tu lui dis maintenant je vais venir manger chez toi 500 euros, et ça reste que chez toi. Shammai ne nous permet pas du tout de commencer à commercer avec des pièces, à faire de la monnaie avec le Maaser Sheni, et on n'est pas du tout d'accord, pour la simple raison que Shammai Ishkach veya Asotan Chulin. Si je te permets de faire du commerce, le Barthénois nous dit Shammai Ishkach veya Asotan Chulin, de peur qu'il va oublier, il va aller acheter ses achats personnels qui ne va pas être de la nourriture. L'argent de Maaser Sheni, on doit spécifiquement acheter de la nourriture. Et de ce fait, si tu commences à prendre maintenant cet argent, à le dépenser, et après tu le remets dans ta bourse et dans ton porte-monnaie, et puis après tu revas là-bas et tu le réutilises, tu risques à la fin de ton loyer de l'utiliser pour un profit personnel, et c'est assourd. De ce fait, Shammai nous met une barrière, tu apportes à Yerushalayim ce que tu veux apporter. Mais une fois que tu arrives à Jérusalem, tu prends cette grosse pièce, tu la mets chez l'épicier et tu vas venir acheter au fur et à mesure. Et lui, il va inscrire tant qu'il va avoir encore des dividendes ou non. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kotouf. Salam.